chies. Oh là là. Là, il chie de Torkel. Hein. Et imagine, t'es le père de. Oh là là. Oh là là. Quoi? Il va voir Knut, hein, il va voir Knut. Avec tout le monde derrière. Doxicar. Yo les gars. Wesh les frérots. On se retrouve pour l'épisode combien? 20. L'épisode 20. 20. L'épisode 20. 21. J'ai annoncé 21. Ok, l'épisode 20, j'avais dit 20 de Vinland. L'épisode dernier, il était énervé. Oui. Alors, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit c'est le cou, d'autres qui m'ont dit c'est la mâchoire, d'autres qui m'ont dit c'est le menton, la faiblesse de. Mais non, en fait, il y en a un, il l'a dit c'est la vue, en fait. Ça, non, ça, je pense, type, ok, c'est vrai que c'est un point faible, etc., mais c'est pas ça qui l'a mis KO. Mais c'est ça qui est. Mais qui a fait c'est que... comme dans non, un match de boxe. Il a tapé au menton. C'est comme un match de boxe, tu touches la mâchoire, les nerfs reliés au cerveau, mais tu déstabilises. Tout le monde en général. Mais ça, c'est tout le monde. Donc en effet, il est possible que la faiblesse de Torkel, c'est genre dès que tu lui enlèves la vue, il est perdu, tu vois. Comme un peu tout le monde, tu vois. Mais je veux dire, je pense que c'est. Mais genre lui, vraiment, il a un problème avec la vue. C'est possible. Plus... Parce que sinon, à ce cas-là, il aurait pas fait ça. Je sais pas, il aurait jeté de la poussière aux yeux ou une connerie comme ça, tu vois. Du coup, Torkel a perdu, vu qu'il l'a dit lui-même, il a perdu. Et ensuite. El Alpha Mal, El Famoso Alpha Mal, Alpha Malo, Bucciarati, Alpha Malo, Bucciaratesque, Bucciaratesque, Knut, Knutons, oh, ouais, le simple fait. Je viens d'avoir un flashback de l'épisode passé, gros. Mais oui, le simple fait de dire son prénom, à cet homme, à cette déité, si je puis dire, tu vois. Vraiment, il est arrivé, il a dit Torkel, t'es fort, hein, t'es pour moi. Non, tu es mon Torkel sujet. A dit, je suis ton homme. Ah, pff, oh là là. Ça a encore plus de charisme. Oh. Et il a dit quoi? Tu es mon serviteur. Et puis, Askeladd, il a dit quoi? Il a dit. Retournement de veste vite. Askeladd, il a dit. C'est moi, j'ai tué. Je l'ai tué. Il a fait comme ça. Excusez-moi, Seigneur. Je peux parler. Knut. Et Thorfinn avec son bras pété. Quand il a voulu se battre, il a fait. Il est mort. Hey. Oh, c'était Harry Potter, ça. Vraiment. Il a fait. Hey. Oh merde. Hey. Hey. Fuck. Il était foutu. Et Torkel, même pas, il lui a dit Torkel, il a dit vas-y, bande ton bras, frère. Sinon, je peux rien faire, tu vois. Donc, mais ouais. Mais Knut, il est arrivé en pute et il est ressorti en roi. Personne ne s'attendait il y a un mois et demi. Mais en fait, quand on l'a vu. Putain, Knut, moi, je m'identifie à lui puisque je suis une pute et j'aimerais être un mâle alpha. Être un homme, quoi. On va lancer l'épisode. Ah, Floki. Ah là, Floki. I'm Floki. T'es pas un pute. Mal alpha. Ça, c'est le vrai joueur. C'est ce qu'il donne ma gueule. Tu chies. Oh là là. Là, il chie de Torkel. Hein. Imagine, t'es le père de. Oh là là. Oh là là. Quoi? Il va voir Knut, hein. Il va voir oh, Knut. Avec tout le monde oh. Derrière. Oh là là. Toujours chaud. Silence. Il lui a dit silence à Torkel. Il lui a dit silence. Ah, parce que c'est quand même la royauté, en fait. Hein. Bah oui. Le changement de camp. Et tu sourds, impudent. Aïe, aïe, aïe. Et Askeladd, il va balancer que c'est lui qui a donné la mission. Je passe en bas. Aïe, 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 putain, ah non, mais gros, c'est choquant. Thorfinn, il vient de passer à côté du gars qui a redonné la mort de son père. Ouais. Et il le sait pas. Ah, Askeladd, qui est à côté de lui. Comme quoi, le monde est petit. C'est hein, un autre homme. Bah oui, on dirait pas. Bah, c'est normal, c'était une femme au début, frère. Là, tout le monde pensait que c'était la princesse. En plus, c'est vrai. Ouais, tout le monde pensait que c'était une femme au début, ouais, ouais. Mais c'est normal, il parlait pas, il se cachait derrière Ragnar en mode... Ah non, je n'ai pas envie de parler avec les gens. Qu'est-ce qu'il est devenu, Bjorn? Il était défoncé aux champignons, lui, hein? Non, mais il l'a arrêté, toi, il l'a calmé. Il est était encore défoncé aux champignons.
Ma soeur, on l'a pas vu. Il est en chute. Amigo, Amina, RBA, RBA, RBA. Digimon. Ouais, tu l'as entendu, Digimon. Mais ça va, parle normal aussi. Arrête d'agresser tout le monde maintenant, fils de. Ouais, il a trop pris la conf. T'as raison. Regarde qui est à côté de lui, frère. T'as raison. Bah ouais. Il tilt. J'ai dit, c'est une autre personne. Il, vraiment, il donne des ordres comme ça à la paix, là. Donc là, il lui a dit, vas-y, flambe du fric. Tu vois. Flambe le fric, bect et bois. Ah, vraiment le vraiment conseiller. Le conseiller. C'est rapide. Tout le temps. L'assassinat. Oh, il récupérerait tout. Hein. Un bouc émissaire. Il y a que ça. Vraiment, il lui parle direct. Oh. Il lui parle que dans attends, son intérêt. Parce que maintenant, s'il le fait, ils vont accuser Thorfinn direct. Il s'en bat les couilles. Ah, Thorfinn. Excusez-le. Hein. Pardonnez son impertinence. Ah, lui, tu lui fais un petit dégradé là. Ouais. Là, ça va devenir un mal alpha. Je pense que ça va partir en philosophie cet épisode. Ça va partir en assassinat. Il parle de qui? De Dieu ou de Ragnar? Parce que j'ai non, pas... là, il parle de la vie en général. Ah, okay. En philosophie, il parle. Oh là là, gros, mais il est énervé tout le temps, gros. Ça va. Il est énervé tout le temps. Il a un objectif. Oh, au moins. Oh, c'est blasphème, hein. Je t'ai dit, je pense que c'est un bail. Ouais, il a, lui, il a répudié Dieu et tout ça. Oh, le... Oni, il a dit Oni ni Monaro. Ça veut dire devenir un démon, pas un monstre, un démon. Ouais, je fais... moi je donne des infos comme ça. Merci, très simple. Mais c'est plus grave, tu vois, merci, un monstre. Merci, Père Soufiel. Ouais, je t'en prie. Père Castor. Quand vous voulez. Père Soufiel. Ah, lui, il croit encore que son fils c'est une salope. Non, mais lui, il pensait qu'il était die. Non, mais surtout qu'il croit que là, son fils c'est encore une salope. Mais il sait pas que c'est lui le roi maintenant. Est-ce qu'ils vont le tuer du coup? Est-ce qu'ils vont le tuer du coup? Il a la lèpre ou quoi, son père? Ouais, là tu survis pas. Hein. Tout flag le type, il dépasse. Il dépasse. Oh les chaussures, en dessous des. Un mec qui tousse comme ça. Y'a que t'entends des chuts. Non, on l'est. Il est claqué. Ouf. Il le reconnaît. Il le reconnaît, hein. Je crois qu'il le reconnaît. Il le reconnaît ou il est déçu de... Ah non. Ah, il est claqué. Ouais, lui, il les en fait, la co qui prend tout. Ah ouais. Est-ce que ça veut dire que lui-même a tué son propre père, peut-être? Non, mais je veux dire, en termes de mentalité, tu vois. Je t'ai dit, hein. Ah, il va lui donner maintenant la couronne. Et je lui ai volé cette couronne, je t'ai dit. Putain. Tu n'es pas prêt. Oh, lui, il est dans le délire. Il est foutu, il est foutu. C'est un junkie, gros. Il est foutu. Hein. Non, il rejette la faute. Il rejette la faute sur la couronne. En disant, ouais, c'est pas moi qui veux te tuer, mais c'est la couronne. Puisqu'il a réfléchi comme un roi, pas comme un père, tu vois.
Mais t'es qui toi? Guet-apens. Ils sont un peu dans la merde. C'est énervé cet épisode. Ils sont un peu dans la merde là. Non, il va utiliser son charisme. Ils vont se retourner contre leur roi. Il est vif, hein, il est très vif. Je le veux comme avocat. Ah oui. Tu as le verbe habile. Habile. Tu es là. Nanana. Le fils d'un roi. Ah, il devine direct. Et il est à ce. C'est un bâtard. Oh, il est énervé. Il est énervé. J'avais annoncé que c'était un bâtard. Oh, oh, regarde son aura, gros. Il a envie de dégommer. Oh, l'oreille Yatsu est con. Oh là 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 là. Il déteste les Danois. Là, il chie dans ce que là. Ah, tu veux pas conclure. Il déteste les Danois aussi, hein. Faut pas oublier. Ah, heureusement qu'il va le calmer. C'est un bâtard ou pas, c'est la question. Bah, ça a l'air de. Ouais, c'est un bâtard. Donc, fils de roi. Ouais, voilà. Non, pas fils de roi. Ah, un déquin. Oh là là, pote. Ah, ce qu'elle a, il nous a calmé direct. Même Thorfinn, il a dit. Sorti, même Thorfinn, il a. Mais Thorfinn, il a un bull. Thorfinn, il s'est dit, lui, je dois gagner un duel contre lui. Ouais, c'est mort. Ouais, c'est... Hein. J'abandonne. Mon père, il était pas si sympa. Mon père, il était charron. Faut le tuer, faut juste l'assassiner. Mais du coup, la seule raison pour laquelle il l'a pas tué, c'est parce que il pourrait pas l'expliquer au peuple et aux vassaux et autres, tu vois. Putain, il est en confiance, hein. Ashelato. Il sait, mais t'as vu, en deux secondes, il a dit Askeladd. C'était quoi ça? Machin de cendre, je sais pas quoi. C'était un transit du roi. Transit énervé, il marchait énervé. Pourquoi il a un petit sur les épaules, frère? Un bâtard à lui déjà. C'est rapide. Ah, c'est le prêtre. Mais non. Il s'est rasé, hein. Ouais, il y a moins de ce prêtre. Ah, il a coupé la barbe et tout, en fait, ouais. Ah ouais. Putain. Mais non. Oh non. Il s'est pas rasé depuis la naissance. C'est dangereux de parler de ça comme ça. Ouais, c'est la mienne comme ça. Ça, il est redoutable, quoi. Ouais, il est dangereux comme moi. Bah ouais, t'es un roi pendant des années. Ouais, il a l'air d'avoir bien vécu aussi, tu vois, en plus. Donc, les traîtres, il en a vu, tu vois. Ouais, un roi normal, il aurait dit, ouais, quitter le lait, sinon. Ah, lui, c'est un suceur, un peu comme ça. En flag, c'est un espion du roi, ça. 100%. Flag. L'obligeance. Ah, le. Ah, mais lui, c'est un fils de pute, ça se voit. Et quoi, ils ont tous la calvitie dans la famille, en fait. Toi, par contre. Toi, t'as l'air claqué. Ah, ouais, lui, c'est un suceur, un peu comme ça. En flag, c'est un espion du roi, ça. 100%. Flag. L'obligeance. Ah, le. Ah, mais lui, c'est un fils de pute, ça se voit. Et quoi, ils ont tous la calvitie dans la famille, en fait. Toi, par contre, toi, t'as l'air claqué. Ah, je retire ce que j'ai dit. Ah, il va lui dire que Ragnar il est mort.
Putain, il lui dit ça comme ça, gros. Putain, il a changé, gros. Il lui laisse pas le temps de digérer. Je discipline le même gars. Mais oui, frère. Quel a mal, Alpha, gros. Il y a des phrases. Tu peux les mettre en petites phrases sur MSN. Il fallait que je change pour changer le monde. Est-ce que Bjorn il va revenir? Il fait que c'est entraîné, gros, repose-toi chacun. Ouh, il est énervé. La performance, hein, la performance. Ça a changé depuis l'épisode 4. Hein. Oh là là. Mais vraiment. Ah, c'est l'autre avec son frère qui est. Ah ouais, il est devenu Maboul. Ma boule. Ah, ils l'ont pas tué finalement. Ça va, il va mieux. Ça bat les couilles. C'est devenu un Tsebzo. Ouais, c'est devenu un Tsebzo. Ah, ok, c'est devenu un. Ok. Oh. Ah ouais, mais c'est lui qui l'a tué. C'est lui qui l'a pointé. Ah ouais, juste après, genre, il l'a planté, ouais. Juste. Putain, mais Bjorn, il va mourir hors champ, frère. Putain, c'est un flop, ça. Mais ouais. Oh, c'est le bracelet des serpents, là. Dans Viking, il y a ça aussi. Bah, il est pas comme ça, mais... Ah, c'est pour la route, ça me bat les couilles, frère. Il n'y a aucune valeur sentimentale. Non, il va pas le vendre, là. Quelle vie! Ça a l'air d'être une seule. Ça a l'air bien, ça. Il a dit ça parce qu'un jour il va piller son village et il va violer sa femme. Il lui a dit quoi? Il lui a dit. Oh, le fils de pute! Vas-y, enrichis-toi. Ce serait un fils comme ça, ce qu'elle a de gros, c'est ambitieux. Il va récupérer son anneau, il va dire tiens. Il sait qu'il va le récupérer, gros. Putain. Ah, Leaf. Toi, tu vivrais à cette époque, Anthony, t'en aurais acheté 10, hein, les meufs. Chaque jour. 10 pièces d'or, t'es ouais. T'es con, c'est moi qui les vendrais. C'est méchant. Attends. C'était Leaf, le gars du village le vieux pote de Torse. Celui qui racontait les histoires. Celui qui racontait les histoires, avec des couilles. Et il avait promis à sa mère, à la mère de Thorfinn, qui combien d'années ça allait prendre, il le chercherait. Oh, là, il a cherché. Mais on l'avait déjà revu vite fait. T'as vu toutes les infos qu'il y a là? Bjorn, il va die. Le roi. Mais Bjorn, c'est quoi cette femme? Le roi, il a essayé de tuer. Gros, le coup de couteau, je l'avais pas vu, frère. Mais c'est le type malafa. Il était en rage comme ça. Et justement, c'est là au moment où Knut c'est devenu le malafa. Il a fait un câlin et il y a un type qui est venu pour le pointer parce qu'il pensait qu'il était encore en berserk. Bah c'était le type là. Ah, je il s'est fait pointer son estomac. Comme quoi tu peux mourir de rien. De rien. Bah, ça va quand même. Ouais, de rien. T'as compris. C'est pas, ça arrive pas, c'est pas commun. Enfin dans cette époque là, oui. Ah, je suis mort pour rien. Ça se finit dans peut-être l'année prochaine, frère. Peut-être l'année prochaine. Non mais c'était un épisode pas mal. Si ils annoncent pas de saison 2 dans les 6 mois qui arrivent, moi je vais te mater ce canard. Parce que tu vas bien m'attendre. C'est pas le droit, frère. Maintenant, on fait des réactions, on t'a plus le droit de dire. À part One Piece, puisque t'avais déjà commencé avant. Comme ça. Tu sais, il y a combien de volumes les gars, vous savez qu'on se sacrifie pour vous. Pas des couilles. Parce que nous, on a envie de regarder des épisodes. On se dit, ah non, on doit attendre. Parce que sinon, les gens vont nous insulter. Parce qu'on n'a pas vu ça, on n'a pas réglé ça. Dont toi, le gars qui me dit pas, le gars qui demande Berserk. Attends. Elle nous dit pas, ouais, c'est parce que vous voulez péter pour faire de la YouTube monnaie. Tiens, la monétisation, elle est où? Elle est où la monétisation? Ça pour vous. On a Willow. Pourquoi on fait ça? C'est vrai, gros, y'a pas d'argent, gros. Pourquoi on fait YouTube? Les gars, je... On arrête tout. Fuck. Pas grave, les gars, la vérité, on fait ça pour cacher vos femmes et vos filles. Non, moi je kiffe, moi je m'en bats les couilles, frère. Ceux qui aiment pas, ils aiment bien. Ceux qui aiment bien, ils aiment bien, tant mieux. Ceux qui s'abonnent, bah. Mais alors, alhamdoulilah, les gens, ils kiffent. Ils kiffent ce qu'on fait en général. Rien que pour ça. Love you guys. Rekamin Pacha. Rekamin Pacha.
Parce que les gars, vous savez qu'on a même des horaires de pause et tout. C'est-à-dire que, on prend, par exemple, on a 3 épisodes à tourner. Là, on a tourné One Piece, Vinland et machin. Est-ce qu'on fait. Mais 1h21 tout à l'heure. T'as pas vu quand. Ouais, montre l'heure bien. Les gars, regardez jusqu'à quelle heure on rec. Il est. Il est où? Tu en montres ou pas? Là, voilà. Attends, sur mon téléphone, on va avoir des bords porno et tout. 1h21, mais. Notification nouvelle vidéo. Mais vous vous êtes. Notif porno. Attends. Vous vous rappelez pas tout à l'heure, on a. On avait dit. Ah, il essayait ton fond d'écran. Tu te rappelles pas tout à l'heure, on avait dit, ouais, il est minuit. Minuit et demi. Il était. Minuit et demi. Quand on est monté. Il était minuit 03. Il était minuit 33. Mais après, on tarde. C'est vrai qu'on déconne, les gars. Ouais. On parle beaucoup aussi. Bon, sachez que celui-là qui va. Attends, qui monte ce soir? Ce soir. Ce soir? Cette nuit. Ah, ça a mis qu'un. Ah, c'est vous deux ce soir. Ah. Mais pourquoi toi tu montes jamais le soir? Bah écoutez, c'était un putain d'épisode, encore une fois. Yes. Ouais, franchement, l'aura de Askeladd. On aurait pas dit l'ultra instinct de Goku et Gohan. Moi j'aurais dit. Ils avaient. Il y avait. Ah, le petit. Les gars, on aurait dit. Ah, ouais. Je vous dis. Mais en vert. On aurait dit du naine, mais sans avoir la vue du naine. Mais tu sais que moi ça m'avait choqué. Quand tu découvres le naine, tu vois, il y avait. Un genre parce flou, qu'on aurait dit une sorte de chaleur, tu vois la chaleur. Ouais, quoi, une aura meurtrière. C'était une dinguerie. Même Thorfinn, il a dit quoi? Il a dit j'ai jamais vu Askeladd aussi en colère. Là, Thorfinn, je crois qu'il va plus jamais dire viens, on se bat. Ouais, il va dire non. Si, c'est... il va le fight. D'ailleurs, quand le prince il lui a dit ouais, tu vas faire ça, personne me donne d'ordre. Et Askeladd, il a dit ouais, c'est moi qui lui donne des ordres. Là, il a rien dit. Là, il a dit hier. C'est vrai, ça. Ouais, hein. Fils de. J'accepte. C'est vrai qu'il le respecte comme never. Hein, comme... Bah... Il a changé, ah, ce chien. Mais Knut, putain. C'est une... Moi, j'ai bien aimé, tu vois, quand ils sont rentrés dans la zombie et qu'il a fait Thorfinn, il fait ouais, il y en a autant en haut, il y en a autant à gauche, à droite, nanana. Et il a dit quoi? Il a dit le premier qui sort les armes a perdu. Et c'est vrai, le roi a sorti les armes en premier et c'est lui qui a pris la baissée son trône. Tu vois comment? C'est une dinguerie. C'est un putain d'animé, les potes. Vinland, c'est un putain d'animé. C'est une dinguerie. Très, très vite. Les complets, frère. Mais c'est dingue. Psychologiquement, animé au niveau de l'animation, etc., c'est une dinguerie. Les OST, c'est une dinguerie. L'animé, apparemment, c'est le même studio que. C'est Jojo, je crois. C'est Jojo. Je sais pas. Je crois que c'est ça. Ouais. Je crois que c'est le même animé que. Il l'a dit dans les commentaires. Que Jojo. C'était une bonne info, ça. Vinland, non, pas Jojo. Shingeki, je crois. Non. Si. Studio. Wit Studio. Maintenant, on va voir Wit Studio animé. Je suis si fort. Putain, pire, parce que moi, je me suis chuté debout depuis. Cabanerie, attends, les titans, voir, c'est ça. Kakagayo. Momono Tokosuke. Il avait dit Mamata Nosuke. Non, j'ai dit Mamana Momono Tokosuke. Non, t'avais dit Mamanana. Attends, Mamanato. Mamanata. Ça s'allonge à chaque fois. Je sais plus. Mamanamana, t'es quel bata poto de Sosuke. Machu Picchu. Machu Picchu. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous, c'était le feu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, partager la vidéo, suivez le Twitter qui se trouve juste là. Nice. Et on se dit à la prochaine. Ciao.